Je t'entends pas. Ouais, c'est bon, j'arrive. Constance! Oh, ma Constance! Il faut que je te parle. Tu te rends compte? Ma Constance, tu as un fromage que pour toi. Un cahier des charges que pour toi. Une appellation que pour toi. Alors que moi, j'ai atteint ma date limite. Je suis plus dans la course. Papy! Oh papy, t'es où là? On y va? Alors mon petit, tu penses pas qu'il fait beau aujourd'hui? Eh si, mais là faut faire les clôtures. L'autre jour j'ai encore un troupeau qui s'est échappé l'autre jour là. Ah, encore un troupeau. Ouais, ça. Tiens, c'est pas ça là-bas là, ton troupeau perdu. Qu'est-ce qu'ils foutent là ceux-là? Maman, il est où le fromage? Je le trouve pas dans le panier. C'est bon, tu vas pas commencer à nous faire un caca nerveux, d'accord? On est en repas de famille, en pique-nique, d'accord? Alors tu vas pas commencer. Mais non, mais moi j'en voulais, je voulais du fromage, hein. Messieurs, dames, bonjour, qu'est-ce que vous faites là? Nous profitons d'un week-end en famille pour s'aérer. Donc j'imagine que nous sommes en droit de nous installer au bon moment. Vous avez une petite idée d'où vous êtes là? Ben vous êtes chez moi. Mais non, mon fils, laisse-les, ils ne nous dérangent guère. Oh, le brouillard vient de se lever. Oui, mais moi, j'ai toujours pas mon fromage. Tu sais, ma petite, je vais te raconter une histoire. Un vrai papy ne traîne jamais sans son fromage. Je vais te faire goûter ma spécialité. De fromage que l'on fait depuis des générations en génération. Tiens, ma petite, goûte. Mais c'est trop bon! Mais c'est trop trop bon! C'est de l'abondance, ma petite. De l'abondance. Délicieux, un régal. Où pouvons-nous nous en procurer? Venez voir à la ferme, j'en fabrique. Make the betrayal accurate. C'est vachement bon. Heavy the hits and